Je suis très satisfait de notre préparation. On l'a entamé à Abu Dhabi durant une dizaine de jours, voilà, avec des joueurs qui étaient tous présents, pas d'indisponibilité particulière. On a joué aussi deux matchs amicaux vraiment très intéressants en termes de performance collective, hein. On a pu travailler également sur différents systèmes parce que les trois équipes qui composent notre groupe appellent à jouer sur différentes animations, différents systèmes. Elles ont des caractéristiques différentes. Donc vraiment très très satisfait de ce que les joueurs ont montré durant ce stage avec une cohésion qui s'est formée progressivement. Mais on sent désormais beaucoup d'unité, beaucoup de fraternité dans cette équipe. Voilà, je crois que tout le monde a à cœur de démarrer cette CAN très fort, hein, avec une grande, grande détermination. Et je crois que tout le monde a aussi à cœur de porter très haut les couleurs de la Mauritanie. La Mauritanie qui progresse énormément sur le football, qui fait de très bonnes choses, avec à sa tête un président très dynamique, des clubs et des coachs locaux aussi qui travaillent très 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 bien. Donc c'est l'occasion, cette CAN, pour nous de prouver que le football mauritanien est en grande progression. Il y a beaucoup de progression au niveau de chaque joueur. Après, c'est totalement l'opposé. Je ne vais pas pouvoir plus vous informer là-dessus parce que c'est voilà, pour moi, c'est au coach de répondre à ça. Mais moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que le groupe vit bien. On est content de s'être rassemblé à partir d'Abu Dhabi jusqu'ici au Cameroun. Tout se passe bien, tactiquement, physiquement, tout le monde va bien. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que on sera prêt à défendre notre patrie.